Durant cette dernière année 2020, on a vu la sagesse des hommes s'écrouler et être exposée. Et en conséquence, on a perdu la foi dans nos gouvernements, la médecine et même le système d'éducation pour nos enfants. Mais c'est à cette heure que la voix de la sagesse est en train de parler dans les rues, dans les lieux publics, comme un son clair, comme celui de la trompette. Et elle dit ceci, « À toi, le peuple, j'appelle, j'élève ma voix envers toute l'humanité. Ma voix déclare ce qui est vrai. Et le conseil est mien. J'ai la puissance. Ceux qui me cherchent me trouvent. Et quiconque me trouve, trouve la vie. » Et j'aimerais parler à la génération la plus jeune en tant que mère et juste vous dire que c'est vraiment notre espérance plus profonde que vous rencontriez, que vous receviez la sagesse. Même si cela vous coûte tout, mais recevez la sagesse et la compréhension. Et que vous cherchez comme des trésors cachés, comme de l'argent, alors vous comprendrez la crainte de l'Éternel. Et vous rencontrerez, vous trouverez la connaissance de Dieu. Saint-Esprit, je te prie, alors que ta voix s'élève dans les rues, que ça puisse retentir de manière claire et puissante, que tous ceux qui te cherchent te trouvent, car tu es l'Esprit de vérité, tu es notre guide et tu es notre enseignant. Et notre vie et la vie est dans tes mains. Amen.